Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vu que les vacances approchent, j'imagine que oui. Et comme on est dimanche et que je suis de bonne humeur, aujourd'hui on va se pencher sur le cas d'un animé que vous connaissez sûrement. Ou au moins vous l'avez déjà vu quelque part. Cet animé, c'est Charlotte. Ou aussi dit Charlotte. Oui, c'était pas la peine. Une petite série dispo sur Netflix et que j'avais vu il y a longtemps. Mais au vu de comment c'était bien, je me suis toujours demandé pourquoi je n'en avais jamais parlé sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je rectifie le tir. En commençant par présenter l'animé pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ensuite donner mon avis, et enfin, revenir plus en détail sur la fin de la série. Expliquer certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas compris, ou simplement voir le cas de la possible continuité de l'œuvre. Mais ça, ça ne change pas de d'habitude, donc vous avez sûrement compris. Dans tous les cas, désolé de le rappeler, mais n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avance pour votre soutien à tous. Et dans le cadre d'une future vidéo, dites-moi en commentaire les animés qui, pour vous, ne méritent pas une suite. Bien sûr, vous pouvez en donner autant que vous voulez. Le principal, c'est qu'ils ne méritent pas une suite pour une raison ou une autre. Ceci fait, lançons l'intro sans plus tarder. Charlotte est un seinen qui a pour genre drame, surnaturel, action, comédie, romance et pour thème école et super pouvoir. L'œuvre a fait ses débuts directement en animé par l'auteur Jun Maeda, qui est aussi l'auteur d'Angel Beats. L'animé a été fait par les studios Pearworks et est licencié en France par Netflix et Wakanim. Cela ne sera que quelques temps après la fin de l'animé que le manga commencera à sortir en septembre 2015, prépublié dans le Dengenki GS Comics, magazine qui accueille des mangas comme Bunny Girl Senpai ou encore Love Live. Le manga sera finalement terminé en 2019 avec un total de 6 volumes. Également un OAV est sorti en mars 2016, mais on se penchera dessus un peu plus tard, c'est-à-dire dans très longtemps, ce qui est ma définition du plus tard. L'histoire de Charlotte nous fera suivre le quotidien de Yuota Saka, un jeune lycéen, tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf si on omet le fait qu'il a un pouvoir surnaturel qui lui permet de posséder le corps de quelqu'un pendant 5 secondes, prenant pleinement possession de ses sens et de ses faits et gestes. À cet âge-là, et à cette période de sa vie, il est normal qu'on veuille abuser de ce pouvoir. Ce qu'il a d'ailleurs fait, et ce que je ferais moi-même si je n'étais pas en putain de classe à distance. Bref, dès le début de la série, il remarque l'émanation de ce pouvoir et va trouver plein d'autres moyens d'en tirer parti. Et ce, dans plein de domaines. Et spécialement celui de l'école, où il va l'utiliser pour regarder les réponses aux examens des premiers de la classe. Du coup, indéniablement, il va finir par être le premier dans tous les classements, et par être ultra populaire auprès de sa promo. Hélas pour lui, il va se faire démasquer par Naoto Mori. Une jeune étudiante qui, elle aussi, a un pouvoir. Le pouvoir de devenir invisible, mais aux yeux d'une seule personne. C'est cheat, mais pas trop. Et elle nous apprend que ses pouvoirs émergent durant l'adolescence, et disparaissent une fois l'âge adulte atteint. Ça touche un certain nombre de jeunes, et souvent dans plein de formes différentes. Donc notre cher Yu Otasaka se fait magnifiquement démasquer, et se voit obligé à présent de rejoindre l'académie Oshinomi, dont Nao est présidente du conseil des étudiants. Elle forcera donc Yu à rejoindre l'académie, le conseil des étudiants, et à déménager pour être plus proche. C'est ainsi que commence la véritable intrigue, suivant Yu aux côtés de Nao et du conseil, protéger les autres jeunes de son âge possédant des pouvoirs, de les prévenir et les encadrer dans leur usage pour leur propre bien. Bien sûr, étant de personnalité assez narcissique, on va le voir se développer au sein du conseil, avec les cas d'étudiants qu'il va voir abuser de leur pouvoir exactement comme lui le faisait, ce qui va finir par le rendre moins narcissique et indifférent envers ses camarades. Et tout ça reste toujours aussi intéressant à suivre, malgré toute la période qui sépare mon premier visionnage jusqu'à aujourd'hui quand je vous parle. Mais il est temps de synthétiser. L'animé globalement est bien, il fait partie des premiers animés que j'ai réellement vu en toute bonne conscience. Et hélas, si je revenais à re-regarder aujourd'hui, je pense que je ne kifferais pas autant que le souvenir qu'il m'a laissé. Dans ce principe, j'ai donc regardé une nouvelle fois la série, et relevé pour vous des choses à dire et à développer. Ce qui a tout d'abord capté mon attention, c'est les personnages, qui sont, à mon avis, un peu trop prédéfinis dans leur caractère ou leur personnalité. On a le fou, le calme, le stratège, et le ou la protagoniste. Et à partir du moment où tu peux résumer un personnage par un adjectif, c'est qu'il y a un sérieux problème dans tout ça. Bien sûr, ne pas être ultra original n'est pas un problème, mais quand un archétype de personnalité est tout de suite mis en place, on peut limite deviner à l'avance comment certains personnages vont réagir face à une situation, et quand ils ne sont vraiment pas du tout originales, ils ne vont jamais s'aventurer en dehors de leur bulle de personnalité préfaite, définie par un scénario qui va simplement limiter encore plus l'impact que le personnage aurait pu nous donner en nous surprenant. Car je rappelle que l'essentiel aujourd'hui dans une série serait au moins qu'on ne devine pas tout le scénario en avance. Ce n'est pas vraiment le cas ici, mais dans l'optique où on cerne bien les personnages, l'intrigue ne va jamais être bien loin d'eux, ce qui semble logique, et ce qui prouve qu'il y a quand même un impact
impact sur le suspense. Mais bon, bien que pas très originaux, ils restent très sympathiques et divertissants à voir. Voir l'équipe qu'ils font ne laisserait personne indifférent. Et ce, même s'ils ont des personnalités dites bateaux. Pour ce qui est de l'intrigue en elle-même, franchement, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Elle était bien rythmée, avec quelques rebondissements vachement intéressants, mais je ne pourrais pas la qualifier d'épique non plus, car il y a des choses qui auraient pu être facilitées, et des facilités qui auraient pu être passées. Donc en gros, Charlotte est une très bonne série. Ce n'est pas un animé qui a pour vocation de révolutionner tout. Bien au contraire, elle va pas mal suivre la vague de son courant. Mais son côté tranche de vie dans un monde fait de pouvoirs surnaturels m'a pas mal charmé aux premiers abords. Et voir des personnages drastiquement différents développer des sentiments l'un envers l'autre est assez satisfaisant à voir. De même que le drame qui va venir poser une démarcation nette avec tout ça, et un peu chambouler ce quotidien si paisible auquel on nous a introduit. Ce qui a, en quelque sorte, redonné un souffle de vie à l'animé, comme pour introduire une renaissance dans les épisodes suivants pour amener de nouveaux événements qui sont drastiquement différents de ce qu'on a vu au début, et qui va apporter un foreshadowing qui n'est pas du tout déplaisant à regarder. Sans parler de la conclusion qui avait d'excellentes idées, mais qui parut un peu trop rushée mais réussite. Mais ça, on va l'expliquer en détail dans la suite. Avant toute chose, si vous voulez reprendre en manga un peu avant la fin de l'animé, vous pouvez reprendre le tome 5 de la série. Ne vous inquiétez pas, ça aura plus de sens après ce que je vais dire dans la suite. Pour ce qui est de la suite de l'œuvre, c'est un peu mort. Car de base, il ne faut pas oublier que c'est une œuvre originale. C'est-à-dire qu'elle ne se base pas sur un manga ou un light novel pour être produite. Un peu comme Code Geass. C'est pourquoi le manga est sorti après l'animé. Et que du coup, rien ne pourrait justifier le fait d'une saison 2. Néanmoins, il reste toujours des choses à dire et à espérer malgré tout. Déjà avant tout ça, le compte Twitter officiel d'Angel Beats et de Charlotte avait teasé une suite pour l'anniversaire de l'animé. Donc des 10 ans Angel Beats et des 5 ans de Charlotte. Hélas, il s'avère que c'était simplement pour faire l'annonce d'un nouveau projet qui s'appelle Le jour où je suis devenu un jeu. Donc, c'était une fausse alerte. Mais ne pas négliger quand même l'activité du compte officiel qui reste assez récent et assez réactif. Et ça ne réduit pas toutes les chances à zéro. Car maintenant, il va falloir se pencher sur le manga. Car il faut savoir que entre l'anime et le manga, quelques différences mineures existent. Mais dans le début de l'intrigue, ce n'est que de l'ordre de petits événements enlevés ou rajoutés. Donc rien de bien grand chose. Et vu que la trame scénaristique reste la même que dans l'anime, une suite probable ne pourrait donc pas prendre le manga comme matériel source dans son adaptation. Mais il faut savoir que le manga développe tout mieux que l'anime le fait, et ce, particulièrement vers la fin. Donc au commencement du pèlerinage de Yu pour récupérer les pouvoirs du monde entier, à la toute fin de l'œuvre. En gros, ce que l'anime raconte en deux épisodes, le manga pourrait le raconter en presque une saison entière. Donc oui, beaucoup de choses n'ont pas été développées, ou même simplement sautées car l'anime devait se finir en 13 épisodes, donc on n'avait pas le temps pour tout. Au final, compte tenu de tout ça, il semble que si une suite venait apparaître, cela ne serait pas une continuité de l'œuvre originale, mais plutôt un approfondissement de ce qui a été rushé un peu vers la fin et dans les débuts de l'intrigue. Bon, après si on voulait réellement faire une suite, vu que la comète tombe tous les 75 ans, il suffit de voir la prochaine dans le futur, mais avec de nouveaux personnages, et je pense, hélas, que ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Donc en bref, le mieux pour la série, si une suite venait à sortir, serait de faire un remake de la fin, ou un remaniement complet de la série, en développant bien comme l'a fait le manga, que ça soit de par un film, des OAV, ou simplement une saison 2. Finalement, au niveau de l'adaptation, on a vu que c'était plus ou moins possible, et maintenant, au niveau financier, on peut voir que l'anime avait plus ou moins dépassé toutes les ventes Blu-ray des autres animés sortis en 7 ans, et c'est d'ailleurs l'une des licence qui a rapporté le plus au studio. Donc à ce niveau-là, pas de problème. Pour résumer, la suite est possible, mais elle n'en reste pas plus probable au fil des années. Ce qui reste possible d'espérer aujourd'hui serait la sortie d'un film ou d'autres OAV, qui soit développerait mieux l'intrigue et surtout celle de la fin, ou soit qui ferait comme l'OAV déjà sorti, et prendrait de nouvelles possibilités de scénario si certaines choses se seraient passées différemment. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas que si toute information venait à apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye.